où nous avons le temple du soleil, Inca, qui date de 1500 ans. Oui, le temple de la lune sur le côté à gauche. Il a gardé des graines, des choses à manger, dans les équivalents aux greniers que vous savez là-bas. Les trous. C'est des tours à 2 mètres d'auteur, une pierre tombale. Et 8 corps enterrés à l'intérieur. 4 hommes et 4 femmes, tous enterrés en position fœtus, à 4 mètres de profondeur. C'était 4 femmes chefs enterrées avec leur mari. Mais la pierre n'était pas placée au hasard, mais c'est travaillé, c'est taillé. Une partie de la pierre reste alignée avec les couloirs que vous voyez de ce côté. Direction ouest. Ces côtés-là, par contre, de la pierre, ils restent alignés avec le couloir de l'autre côté, à l'est. Les civilisations qui pratiquaient la vénération au soleil, ils ont construit leur temple en hauteur. De façon symbolique, ils s'approchaient le plus à leur divinité. La pluie, donc, ça coule et ça permet d'évacuer, éviter que ça abîme la rue. Pourquoi? Parce que la rue, elle était décorée avec des plaques d'or. C'est une rue sacrée qui permet d'arriver jusqu'au le temple du soleil. Il avait aussi des pierres précieuses. Bon, et on voit les pierres de fondation. Le trou qui reste isolé des autres dans ses côtés, probablement utilisé pour placer le couteau. Voyez donc juste le monde ici, nous avons les deux murs jumeaux qui permettent de consolider le mur. C'est un mur qui faisait encore quelques mètres d'auteur, hein. Mais les pierres s'étaient piquées après par les gens de la région pour faire leur maison, pour construire les églises, etc. Et ici donc on peut voir justement que les pierres, ils sont tellement bien serrés que ça sera impossible à faire passer la lame d'un couteau entre les deux pierres. Si on avait deux plaques d'or sur le mur, oui, pourquoi faire? Pour éclairer et annoncer le début de la fête du soleil. D'ici le mur, vers le bout de l'ellipse, il y a la même distance ici et de l'autre côté.